Pas de problème, pas de problème. Les leaders, elle ne veut pas. Je comprends, je comprends. Allez-y, allez-y. Mais voilà, donc je suis touriste ici. Enfin, j'habite la Belgique, mais je viens ici pour du shopping. Et puis, ça m'a interpellée de voir ces gens qui, quelque part, se disputent. Mais j'ai entendu parler. Donc, c'était des gens qui... des sans-papiers qui travaillent ici. Mais moi, je me dis que... Voilà, je ne sais pas par quel biais ils sont venus ici, ça ne me regarde pas. Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est... Et mon coup de gueule, c'est pour qu'est-ce que ces gens-là ne sont pas libres de travailler, quoi. Voilà. Ils sont en négociation avec le ministre, mais le ministre ne veut pas négocier avec eux. Parce que je dis que s'ils sont arrivés jusqu'ici, c'est déjà une bonne chose. S'ils viennent d'Afrique ou même de plus loin, ils ont déjà fait le trajet jusqu'ici. Alors c'est déjà très très difficile. Voilà, ouais. Faisons en sorte que ces gens-là puissent avoir au moins... une identité quelque part ici chez nous. Et le droit de travailler avec les capacités qu'ils ont et pas voilà. Dans des jobs de merde. C'est-à-dire qu'on puisse réévaluer leur cas, ça crie là, ça dispute. Je dirais donc que ces gens-là, donc ces sans-papiers qui ont des capacités dans leur pays, il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont instituteurs, qu'on puisse les faire travailler ici dans la mesure du possible, mais en tout cas qu'on ne les traite pas comme du bétail, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire, parce que c'est vrai qu'il y a du travail aussi manquant pour nous les Belges, mais je dis qu'il y a aussi des gens... Toujours des choses à faire. Voilà, il y a toujours des gens qui ont des possibilités, des capacités, et on doit aussi leur laisser leur chance. Parce que par chez nous, on est en Belgique, il y a des jeunes qui se prélassent au CPAS, alors qu'ils sont dans un pays démocratique où ils ont de quoi apprendre. Donc pourquoi alors ces gens-là qui viennent d'ailleurs et qui ont appris, pourquoi ne pas leur laisser leur chance, puisque beaucoup d'entre nous sont au CPS et profitent du système, quoi. Bien sûr. Alors, vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait, voilà. Oui, ça c'est mon point de vue, maintenant. Et tu disais aussi que pour toi la terre est à tout le voilà, monde, aussi, devrait être libre. Voilà, moi c'est mon principe. La terre n'appartient à la base à personne. Si tu as envie d'aller vivre là-bas, je ne vois pas pourquoi... Je ne vois pas pourquoi on nous en empêcherait, voilà. Je ne vois pas pourquoi on nous empêcherait d'aller vivre là où on veut. Parce qu'à la base, le monde n'appartient à personne. Alors pourquoi, voilà, pourquoi se limiter voilà. Pourquoi se limiter donc à aller vivre là où on est né si ça, voilà. Bien sûr. Maintenant, je coupe.